trap shit. Bon les gars, nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je vais bien, mais j'ai un petit problème. Je vais vous montrer ça. Hop. Voilà, donc j'ai une attelle au genou. Je sais qu'il y en a qui vont me poser la question en commentaire ce qui m'est arrivé. Donc voilà, ben si on joue au foot, je me suis fait une entorse des ligaments. Voilà, c'est tout, rien de grave. Donc là aujourd'hui c'est la vidéo que tout le monde attendait. Donc je vais faire la vitesse max du 700. Vous allez voir, c'est un truc de malade. Normalement je monte à plus de 200 avec. Je vais vous montrer ça. Ensuite, prochaine vidéo, je vais faire une... Bah, vous allez me poser des questions en fait. Et je vais répondre en vidéo. Donc pour ça, je vais mettre une photo sur Insta. Donc voilà, je vous mets mon Insta ici. Allez, ajouter. Donc voilà, je vais mettre une photo. Vous allez me poser des questions dans les commentaires de la photo. Je vais en sélectionner une paire. Et voilà, la prochaine vidéo, j'espère que je vais la faire là-dessus. Et que ça va vous plaire, et puis ben voilà, c'est tout. Donc là on va monter sur le quad. Vous voyez, je suis en galère parce que le genou il est bloqué, donc je peux pas le plier, je peux pas du tout plier la jambe. Donc pour passer les vitesses, je suis obligé de rester debout. Et par contre, une fois que je suis en cinquième, je pourrais me poser comme ça. Donc bon, ça va pas trop mal encore. C'est un peu la galère, mais bon. Voilà. J'ai acheté des nouveaux rétros. Voilà, vous me voyez. Parce que l'autre fois, bah, dans la dernière vidéo, vous avez vu, il était complètement défoncé. Les rétros, c'est pas fait pour le terrain. La preuve. Donc voilà, là, j'espère que vous allez bien voir sur l'écran. Donc là, je fais avec l'écran, je fais avec le compteur seulement. Et après, vous allez voir ce que je vais faire. Vous allez rigoler. J'espère que vous allez bien voir aussi. On va faire un petit test. Sinon, je rapprocherai ma tête du compteur exprès. Voilà. Bon, allez, c'est parti. On va faire une petite pointe. Je vous dis qu'il monte à plus de 200. Je rigole pas. Hein. Vous allez voir, même le compteur, il bloque à 199. Et franchement, je suis sûr que je suis à 250. Regardez. Là, je suis en 5. Avec le soleil, je sais pas en vrai si on voit bien l'écran. Regardez à combien je monte en première. Et encore là, j'ai les pneus route, donc c'est un peu là. Tout le monde me klaxonne. Bien qu'il n'y ait pas le soleil qui gêne. Devant là.
pour ceux qui m'ont cru, vous êtes des grands malades. Jamais on pourra monter à plus de 200 avec un 700 d'origine. Pour ça, faut le trafiquer ou je sais pas ce qu'il faut faire, mais bon, faut changer le moteur. Et pas que ça. Mais là, non. Donc là, bien évidemment, c'était une blague. Parce que le compteur, il est mal réglé. Donc voilà, là, on va servir de l'appli vitesse. Je m'en suis jamais servi avec le quad là pour l'instant. Donc du coup, ça va me permettre de bien régler le compteur. Pour ceux qui n'arrivent pas à régler le compteur, regardez ça. Ça va nous aider. Voilà, le meilleur ami, le scotch. Comment ça marche, ça? Donc voilà, on sort le scotch. Je sais pas que je vais mettre le téléphone. Si je l'accroche là, il va s'envoler. Comme ça. Donc voilà, ça va nous permettre de régler. Hop. Objectivement, quand on regarde bien, c'est pas des gants de moto, des gants de VTT. Voilà. Ouais, des escalades ou de VTT quoi. Il faut des gants. Pas d'un sport mécanique. L'étiquette, norme CE et une petite moto. Ok. Donc, quand on a le permis, ça vaut 90 euros. À peu près. Ouais, non, mais je savais pas ce que c'est. Bah, quand on a le permis, après, ça coûte plus cher. On peut faire les pneus comme ça. Hein. Moi aussi, j'ai une paire de pneus de cross. Est-ce que c'est homologué les pneus de cross pour la route? Non. Il y en a certains qui sont homologués, non? Ouais les gars, maintenant je suis en règle. Pas de problème avec ça. Premier contrôle. À cause de ça, j'ai mis le scotch. Et merci les gendarmes. Oh là là. Au revoir. Ça va, ils sont polis. Bon les gars, j'ai plus qu'à tout recommencer. J'avais bien mis mon scotch. Oh là là. Bon, je mets mon scotch et je vous remets la vidéo en route. Voilà, voilà. Le scotch, il est mis. Normalement, ça tient bien. J'ai bien dit normalement, j'espère qu'il va pas se décrocher l'iPhone.
Le téléphone, il va nous permettre de régler le compteur. Pour le régler, c'est faut appuyer là, je crois, faut rester appuyé. Voilà. Après, c'est selon les chiffres. Je vais vous montrer ça. On va mettre les gants. Je vais vous montrer comme quoi le compteur, il est vraiment mal réglé. Pour mieux voir les compteurs, je vous ai mis la stabilisation. Regardez comment c'est mal réglé. Là, on est à 37, 36. Là, on est à 20. Là, apparemment, il est bien réglé. Là, on va essayer de taper une petite pointe. Bon, dommage que j'ai les pneus route. On est dans l'herbe, ça va pas être terrible. Ça glisse beaucoup. Je pense qu'on va s'approcher des 130 quand même. On va voir ça. Allez, c'est parti. 2. Je vous avoue que c'est à cause des pneus route. Parce que j'aurais les pneus cross, ça accrocherait mieux. Là, ça glisse beaucoup. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de trous, donc ça va pas terrible.